Bonjour, bonsoir. J'ai déjà eu l'occasion à plusieurs reprises de vous présenter quelques nouvelles de l'écrivain américain Edgar Allan Poe, 1809-1849, dont La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar et Manuscrit trouvé dans une bouteille, respectivement diffusés sur l'Écho des Garrigues les 3 octobre et 29 août 2022. Aujourd'hui, c'est de Ligeia qu'il s'agira. Cette nouvelle a été publiée pour la première fois en septembre 1838 et traduite en français par Charles Baudelaire en 1856 dans le recueil de nouvelles Histoires extraordinaires. Il s'agit là du conte favori d'Edgar Poe. Alors, sans plus attendre, et il y a là-dedans la volonté qui ne meurt pas. Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur? Car Dieu n'est qu'une grande volonté pénétrant toute chose par l'intensité qui lui est propre. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Joseph Glanville. Je ne puis me rappeler, sur mon âme, comment, quand, ni même où, je fis pour la première fois connaissance avec Lady Ligeia. De longues années se sont écoulées depuis lors, et une grande souffrance a affaibli ma mémoire, ou peut-être ne puis-je plus maintenant me rappeler ces points, parce qu'en vérité, le caractère de ma bien-aimée, sa rare instruction, son genre de beauté, si singulière et si placide, et la pénétrante et subjugante éloquence de sa profonde parole musicale, ont fait leur chemin dans mon cœur d'une manière si patiente, si constante, si furtive, que je n'y ai pas pris garde et n'en ai pas eu conscience. Cependant, je crois que je la rencontrai pour la première fois, et plusieurs fois depuis lors, dans une vaste et antique ville délabrée sur les bords du Rhin. Quant à sa famille, très certainement elle m'en a parlé. Qu'elle fût d'une date excessivement ancienne, je n'en fais aucun doute. Ligeia, Ligeia. Plongée dans des études qui par leur nature sont plus propres que tout autre à amortir les impressions du monde extérieur. Il me suffit de ce mot si doux, Ligeia, pour ramener devant les yeux de ma pensée l'image de celle qui n'est plus. Et maintenant, pendant que j'écris, il me revient comme une lueur que je n'ai jamais su le nom de famille de celle qui fut mon amie et ma fiancée, qui devint mon compagnon d'études et enfin l'épouse de mon cœur. Était-ce par suite de quelque injonction folâtre de Maligeia? Était-ce une preuve de la force de mon affection que je ne pris aucun renseignement sur ce point? Ou plutôt, était-ce un caprice à moi, une offrande bizarre et romantique sur l'autel du culte le plus passionné? Je ne me rappelle le fait que, confusément,
Faut-il donc s'étonner si j'ai entièrement oublié les circonstances qui lui donnèrent naissance ou qui l'accompagnèrent? Et, en vérité, si jamais l'esprit de roman, si jamais la pâle Astophète de l'idolâtre Égypte, aux ailes ténébreuses, ont présidé, comme on dit, au mariage de sinistre augure, très sûrement, ils ont présidé au mien. Il est néanmoins un sujet très cher sur lequel ma mémoire n'est pas en défaut. C'est la personne de Ligeia. Elle était d'une grande taille, un peu mince, et même dans les derniers jours, très amaigrie. J'essayerais en vain de dépeindre la majesté, l'aisance tranquille de sa démarche et l'incompréhensible légèreté, l'élasticité de son pas. Elle venait et s'en allait comme une ombre. Je ne m'apercevais jamais de son entrée dans mon cabinet de travail que par la chère musique de sa voix douce et profonde quand elle posait sa main de marbre sur mon épaule. Quant à la beauté de la figure, aucune femme ne l'a jamais égalée. C'était l'éclat d'un rêve d'opium, une vision aérienne et ravissante, plus étrangement céleste que les rêveries qui voltigeaient dans les âmes assoupies des filles de Délos. Cependant, ses traits n'étaient pas jetés dans ce moule régulier qu'on nous a faussement enseigné à révérer dans les ouvrages classiques du paganisme. Il n'y a pas de beauté exquise, dit Lord Verulam, parlant avec justesse de toutes les formes et de tous les genres de beauté, sans une certaine étrangeté dans les proportions. Toutefois, bien que je visse que les traits de Ligeia n'étaient pas d'une régularité classique, quoique je sentisse que sa beauté était véritablement exquise et fortement pénétrée de cette étrangeté, je me suis efforcé en vain de découvrir cette irrégularité et de poursuivre jusqu'en son gîte ma perception de l'étrange. J'examinais le contour du front haut et pâle, un front irréprochable. Combien ce mot effroi appliqué à une majesté aussi divine. La peau rivalisant avec le plus pur ivoire, la largeur imposante, le calme, la gracieuse proéminence des régions au-dessus des tempes, et puis cette chevelure d'un noir de corbeau, lustrée, luxuriante, naturellement bouclée, et démontrant toute la force de l'expression homérique, chevelure d'hyacinthe. Je considérais les lignes délicates du nez, et nul autre que dans les gracieux médaillons hébraïques, je n'avais contemplé une semblable perfection. C'était ce même jet, cette même surface unie et superbe, cette même tendance presque imperceptible à l'aquilin, ces mêmes narines harmonieusement arrondies et révélant un esprit libre. Je regardais la charmante bouche. C'était là qu'était le triomphe de toutes les choses célestes. Le tour glorieux de la lèvre supérieure, un peu courte, l'air doucement, voluptueusement reposé de l'inférieur, les fossettes qui se jouaient et la couleur qui parlait, les dents, réfléchissant comme une espèce d'éclair chaque rayon de la lumière bénie qui tombait sur elle dans ses sourires sereins et placides, mais toujours radieux et triomphants.
j'analysais la forme du menton et, là aussi, je trouvais la grâce dans la largeur, la douceur et la majesté, la plénitude et la spiritualité grecque, ce contour que le dieu Apollon ne révéla qu'en rêve à Cléomène, fils de Cléomène d'Athènes. Et puis, je regardais dans les grands yeux de Ligeia. Pour les yeux, je ne trouve pas de modèle dans la plus lointaine antiquité. Peut-être bien était-ce dans les yeux de ma bien-aimée que se cachait le mystère dont parle Lord Verulam. Ils étaient, je crois, plus grands que les yeux ordinaires de l'humanité, mieux fendus que les plus beaux yeux de gazelle de la tribu de la vallée de Norjahad. Mais ce n'était que par intervalle, dans des moments d'excessive animation, que cette particularité devenait singulièrement frappante. Dans ces moments-là, sa beauté était, du moins, elle apparaissait telle à ma pensée enflammée, la beauté de la fabuleuse houri des Turcs. Les prunelles étaient du noir le plus brillant et surplombées par des cils de jais très longs. Ses sourcils, d'un dessin légèrement irrégulier, avaient la même couleur toutefois. L'étrangeté que je trouvais dans les yeux était indépendante de leur forme, de leur couleur et de leur éclat, et devenait décidément attribuée à l'expression « Ah, mot qui n'a pas de sens !» un pur son, vaste latitude où se retranche toute notre ignorance du spirituel. L'expression des yeux de Ligeia. Combien de longues heures ai-je médité dessus? Combien de fois, durant toute une nuit d'été, me suis-je efforcé de les sonder? Qu'était donc ce je ne sais quoi, ce quelque chose plus profond que le puits de Démocrite qui gisait au fond des pupilles de ma bien-aimée? Qu'était cela? J'étais possédé de la passion de le découvrir. Ses yeux, ses larges, ses brillantes, ces divines prunelles, elles étaient devenues pour moi les étoiles jumelles de Léda, et moi, j'étais pour elles le plus fervent des astrologues. Il n'y a pas de cas parmi les nombreuses et incompréhensibles anomalies de la science psychologique qui soit plus saisissant, plus excitant que celui négligé, je crois, dans les écoles, ou dans nos efforts pour ramener dans notre mémoire une chose oubliée depuis longtemps. Nous nous trouvons souvent sur le bord même du souvenir, sans pouvoir toutefois nous souvenir. Et ainsi que de fois, dans mon ardente analyse des yeux de Ligeia, ai-je senti s'approcher la complète connaissance de leur expression? Je l'ai senti s'approcher, mais elle n'est pas devenue tout à fait mienne, et à la longue, elle a disparu entièrement. Et, étrange, oh, le plus étrange des mystères. J'ai trouvé dans les objets les plus communs du monde une série d'analogies pour cette expression. Je veux dire qu'après l'époque où la beauté de Ligeia passa dans mon esprit, et s'y installa comme dans un reliquaire, je puisai dans plusieurs êtres du monde matériel une sensation analogue à celle qui se répandait sur moi, en moi, sous l'influence de ces larges et lumineuses prunelles. Cependant, je n'en suis pas moins incapable de définir ce sentiment, de l'analyser, ou même d'en avoir une perception nette. Je l'ai reconnu quelquefois, je le répète, à l'aspect d'une vigne rapidement grandie dans la contemplation d'une phalène,
d'un papillon, d'une chrysalide, d'un courant d'eau précipité. Je l'ai trouvé dans l'océan, dans la chute d'un météore. Je l'ai senti dans les regards de quelques personnes extraordinairement âgées. Il y a dans le ciel une ou deux étoiles, plus particulièrement une étoile de sixième grandeur, double et changeante, qu'on trouvera près de la grande étoile de la Lyre qui, vues au télescope, m'ont donné un sentiment analogue. Je m'en suis senti rempli par certains sons d'instruments à cordes et quelquefois aussi par des passages de mes lectures. Parmi d'innombrables exemples, je me rappelle fort bien quelque chose dans un volume de Joseph Glanville qui, peut-être simplement à cause de sa bizarrerie, qui sait, m'a toujours inspiré le même sentiment. Et il y a là-dedans la volonté qui ne meurt pas. Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur? Car Dieu n'est qu'une grande volonté pénétrant toute chose par l'intensité qui lui est propre. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Par la suite des temps et par des réflexions subséquentes, je suis parvenu à déterminer un certain rapport éloigné entre ce passage du philosophe anglais et une partie du caractère de Ligeia. Une intensité singulière dans la pensée, dans l'action, dans la parole était peut-être en elle le résultat, ou au moins l'indice de cette gigantesque puissance de volition qui, durant nos longues relations, eût pu donner d'autres et plus positives preuves de son existence. De toutes les femmes que j'ai connues, elle, la toujours placide Ligeia, à l'extérieur si calme, était la proie la plus déchirée par les tumultueux vautours de la cruelle passion. Et je ne pouvais évaluer cette passion que par la miraculeuse expansion de ses yeux qui me ravissaient et m'effrayaient en même temps par la mélodie presque magique, la modulation, la netteté et la placidité de sa voix profonde et par la sauvage énergie des étranges paroles qu'elle prononçait habituellement et dont l'effet était doublé par le contraste de son débit. J'ai parlé de l'instruction de Ligeia. Elle était immense, telle que jamais je n'en vis de pareil dans une femme. Elle connaissait à fond les langues classiques et, aussi loin que s'étendaient mes propres connaissances dans les langues modernes de l'Europe, je ne l'ai jamais prise en faute. Véritablement, sur n'importe quel thème de l'érudition académique si vantée, si admirée, uniquement à cause qu'elle est plus abstruse, ai-je jamais trouvé Ligeia en faute? Combien ce trait unique de la nature de ma femme, seulement dans cette dernière période, avait frappé, subjugué mon attention? J'ai dit que son instruction dépassait celle d'aucune femme que j'eusse connue. Mais où est l'homme qui a traversé avec succès tout le vaste champ des sciences morales, physiques et mathématiques? Je ne vis pas alors ce que maintenant je perçois clairement
que les connaissances de Ligeia étaient gigantesques, étourdissantes. Cependant, j'avais une conscience suffisante de son infinie supériorité pour m'y résigner avec la confiance d'un écolier et me laisser guider par elle à travers le monde chaotique des investigations métaphysiques dont je m'occupais avec ardeur dans les premières années de notre mariage. Avec quel vaste triomphe, avec quelle vive délice, avec quelle espérance éthéréenne sentais-je ma Ligeia penchée sur moi au milieu d'études si peu frayées, si peu connues, s'élargir par degrés cette admirable perspective, cette longue avenue, splendide et vierge, par laquelle je devais enfin arriver au terme d'une sagesse trop précieuse et trop divine pour n'être pas interdite. Aussi, avec quelle poignante douleur ne vis-je pas, au bout de quelques années, mes espérances si bien fondées prendre leur vol et s'enfuir. Sans Ligeia, je n'étais qu'un enfant tâtonnant dans la nuit. Sa présence, ses leçons pouvaient seules éclairer d'une lumière vivante les mystères du transcendantalisme dans lequel nous nous étions plongés. Privé du lustre rayonnant de ses yeux, toute cette littérature, ailée et dorée naguère, devenait maussade, saturnienne et lourde comme le plomb. Et maintenant, ses beaux yeux éclairaient de plus en plus rarement les pages que je déchiffrais. Ligeia tomba malade. Les étranges yeux flamboyèrent avec un éclat trop splendide. Les pâles doigts prirent la couleur de la mort, la couleur de la cire transparente. Les veines bleues de son grand front palpitèrent impétueusement au courant de la plus douce émotion. Je vis qu'il lui fallait mourir. Et je luttais désespérément en esprit avec l'affreux Azraël. Et les efforts de cette femme passionnée furent, à mon grand étonnement, encore plus énergiques que les miens. Il y avait certes dans sa sérieuse nature de quoi me faire croire que pour elle la mort viendrait sans son monde de terreur. Mais il n'en fut pas ainsi. Les mots sont impuissants pour donner une idée de la férocité de résistance qu'elle déploya dans sa lutte avec l'ombre. Je gémissais d'angoisse à ce lamentable spectacle. J'aurais voulu la calmer. J'aurais voulu la raisonner. Mais, dans l'intensité de son sauvage désir de vivre, de rien que vivre, toute consolation et toute raison eussent été le comble de la folie. Cependant, jusqu'au dernier moment, au milieu des tortures et des convulsions de son sauvage esprit, l'apparente placidité de sa conduite ne se démentit pas. Sa voix devenait plus douce, devenait plus profonde. Et je ne voulais pas m'apesantir sur le sens bizarre de ces mots prononcés avec tant de calme. Ma cervelle tournait quand je prêtais l'oreille en extase à cette méthode surhumaine, à ses ambitions et à ses aspirations que l'humanité n'avait jamais connues jusqu'alors. Qu'elle m'aimât, je n'en pouvais douter, et il m'était aisé de deviner que,
dans une poitrine telle que la sienne, l'amour ne devait pas régner comme une passion ordinaire. Mais, dans la mort seulement, je compris toute la force et toute l'étendue de son affection. Pendant de longues heures, ma main dans la sienne, elle épanchait devant moi le trop-plein d'un cœur dont le dévouement plus que passionné montait jusqu'à l'idolâtrie. Comment avais-je mérité la béatitude d'entendre de pareils aveux? Comment avais-je mérité d'être damné à ce point que ma bien-aimée me fût enlevée à l'heure où elle m'en octroyait la jouissance? Mais il ne m'est pas permis de m'étendre sur ce sujet. Je dirai seulement que dans l'abandonnement plus que féminin de Ligeia à un amour, hélas, non mérité, accordé tout à fait gratuitement, je reconnus enfin le principe de son ardent, de son sauvage regret de cette vie qui fuyait maintenant si rapidement. C'est cette ardeur désordonnée, cette véhémence dans son désir de la vie, et de rien que la vie, que je n'ai pas la puissance de décrire. Les mots me manqueraient pour l'exprimer. Juste au milieu de la nuit pendant laquelle elle mourut, elle m'appela avec autorité auprès d'elle et me fit répéter certains vers composés par elle peu de jours auparavant. Je lui obéis. Ces vers, les voici. Voyez ces nuits de gala. Depuis ces dernières années désolées, une multitude d'anges ailés, ornés, de voiles et noyés dans les larmes, est assise dans un théâtre pour voir un drame d'espérance et de crainte, pendant que l'orchestre soupire par intervalles la musique des sphères. Des mimes faits à l'image du Dieu Très-Haut, marmottes et marmonnes tout bas, et voltiges de côté et d'autre. Pauvres poupées qui vont et viennent, au commandement des vastes êtres sans forme qui transportent la scène çà et là, secouant de leurs ailes de condor l'invisible malheur. Ce drame bigarré, oh, à coup sûr, il ne sera pas oublié. Avec son fantôme éternellement pourchassé par une foule qui ne peut pas le saisir, à travers un cercle qui toujours retourne sur lui-même exactement au même point, et beaucoup de folie, et encore plus de péchés et d'horreurs font l'âme de l'intrigue. Mais voyez, à travers la cohue des mimes, une forme rampante fait son entrée, une chose rouge de sang qui vient en se tordant de la partie solitaire de la scène. Elle se tord avec des angoisses mortelles. Les mimes deviennent sa pâture, et les séraphins sanglotent en voyant les dents du ver mâcher les caillots de sang humain. Toutes les lumières s'éteignent. Toutes. Toutes. Et sur chaque forme frissonnante, le rideau, vaste drap mortuaire, descend avec la violence d'une tempête, et les anges, tout pâles et blêmes, se levant et se dévoilant, affirment que ce drame est une tragédie qui s'appelle l'homme,
et dont le héros est le ver conquérant. Oh, Dieu! Cria presque Ligeia, se dressant sur ses pieds et étendant ses bras vers le ciel dans un mouvement spasmodique, comme je finissais de réciter ces vers. Oh, Dieu, Père céleste, ces choses s'accompliront-elles irrémissiblement? Ce conquérant ne sera-t-il jamais vaincu? Ne sommes-nous pas une partie et une parcelle de toi? Qui donc connaît les mystères de la volonté ainsi que sa vigueur? L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Et alors, comme épuisée par l'émotion, elle laissa retomber ses bras blancs et retourna solennellement à son lit de mort. Et comme elle soupirait ses derniers soupirs, il s'émala sur ses lèvres comme un murmure indistinct. Je tendis l'oreille et je reconnus de nouveau la conclusion du passage de Glanville. L'homme ne cède aux anges et ne se rend entièrement à la mort que par l'infirmité de sa pauvre volonté. Elle mourut, et moi, anéanti, pulvérisé par la douleur, je ne pus pas supporter plus longtemps l'affreuse désolation de ma demeure dans cette sombre cité délabrée au bord du Rhin. Je ne manquais pas de ce que le monde appelle la fortune. Ligeia m'en avait apporté plus, beaucoup plus que n'en comporte la destinée ordinaire des mortels. Aussi, après quelques mois perdus dans un vagabondage fastidieux et sans but, je me jetai dans une espèce de retraite dont je fis l'acquisition. Une abbaye dont je ne veux pas dire le nom, dans une des parties les plus incultes et les moins fréquentes de la belle Angleterre. La sombre et triste grandeur du bâtiment, l'aspect presque sauvage du domaine, les mélancoliques et vénérables souvenirs qui s'y rattachaient, étaient à l'unisson du sentiment de complet abandon qui m'avait exilé dans cette lointaine et solitaire région. Cependant, tout en laissant à l'extérieur de l'abbaye son caractère primitif, presque intact, et le verdoyant délabrement qui tapissait ses murs, je me mis avec une perversité enfantine, et peut-être avec une faible espérance de distraire mes chagrins, à déployer au-dedans des magnificences plus que royales. Je m'étais, depuis l'enfance, pénétré d'un grand goût pour ces folies, et maintenant, elles me revenaient comme un radotage de la douleur. Hélas, je sens qu'on aurait pu découvrir un commencement de folie dans ces splendides et fantastiques draperies, dans ces solennelles sculptures égyptiennes, dans ces corniches et ces ameublements bizarres, dans les extravagantes arabesques de ces tapis tout fleuris d'or. J'étais devenu un esclave de l'opium. Il me tenait dans ses liens, et tous mes travaux et mes plans avaient pris la couleur de mes rêves. Mais je ne m'arrêtais pas aux détails de ces absurdités. Je parlerai seulement de cette chambre maudite à jamais, où dans un moment d'aliénation mentale,
je conduisis à l'hôtel et pris pour épouse, après l'inoubliable Ligeia, Lady Ravenna Trevanion de Tremaine, à la blonde chevelure et aux yeux bleus. Il n'est pas un détail d'architecture ou de la décoration de cette chambre nuptiale qui ne soit maintenant présente à mes yeux. Où donc la hautaine famille de la fiancée avait-elle l'esprit quand, mue par la soif de l'or, elle permit à une fille si tendrement chérie de passer le seuil d'un appartement décoré de cette étrange façon. J'ai dit que je me rappelais minutieusement les détails de cette chambre, bien que ma triste mémoire perde souvent des choses d'une rare importance, et pourtant il n'y avait pas dans ce luxe fantastique de système ou d'harmonie qui pût s'imposer au souvenir. La chambre faisait partie d'une haute tour de cette abbaye, fortifiée comme un château. Elle était d'une forme pentagone et d'une grande dimension. Tout le côté sud du pentagone était occupé par une fenêtre unique, faite d'une immense glace de Venise, d'un seul morceau et d'une couleur sombre, de sorte que les rayons du soleil ou de la lune qui les traversaient jetaient sur les objets intérieurs une lumière sinistre. Au-dessus de cette énorme fenêtre se plongeait le treillis d'une vieille vigne qui grimpait sur les murs massifs de la tour. Le plafond, de chêne presque noir, était excessivement élevé, façonné en voûte et curieusement sillonné d'ornements les plus bizarres et des plus fantastiques, d'un style semi-gothique, semi-druidique. Au fond de cette voûte mélancolique, au centre même, était suspendu, par une seule chaîne d'or faite de longs anneaux, une vaste lampe de même métal en forme d'encensoir, conçue dans le goût sarrasin et brodée de perforations capricieuses à travers lesquelles on voyait courir et se tortiller avec vitalité les lueurs continues d'un feu versicolore. Quelques rares ottomanes et des candélabres d'une forme orientale occupaient différents endroits, et le lit aussi, le lit nuptial, était dans le style indien, bas, sculpté en bois d'ébène massif et surmonté d'un baldaquin qui avait l'air d'un drap mortuaire. À chacun des angles de la chambre se dressait un gigantesque sarcophage de granit noir tiré des tombes des rois en face de Louxor avec son antique couvercle chargé de sculptures immémoriales. Mais c'était dans la tenture de l'appartement, hélas, qu'éclatait la fantaisie capitale. Les murs, prodigieusement hauts, au-delà même de toute proportion, était tendu du haut jusqu'en bas d'une tapisserie lourde et d'apparence massive qui tombait par vastes nappes, tapisserie faite avec la même matière qui avait été employée pour le tapis du parquet. Les ottomanes, le lit d'ébène, le baldaquin du lit et les somptueux rideaux qui cachaient en partie la fenêtre. Cette matière était un tissu d'or des plus riches, tacheté par intervalles réguliers de figures arabesques d'un pied de diamètre environ qui enlevaient sur le fond leur dessin d'un noir de jais. Mais ces figures ne participaient du caractère arabesque que quand on l'examinait à un seul point de vue. Par un procédé aujourd'hui fort commun,
et dont on retrouve la trace dans la plus lointaine antiquité, elles étaient faites de manière à changer d'aspect. Pour une personne qui entrait dans la chambre, elles avaient l'air de simples monstruosités. Mais à mesure qu'on avançait, ce caractère disparaissait graduellement, et pas à pas, le visiteur changeait de place, se voyait entouré d'une procession continue de formes affreuses, comme celles qui sont nées de la superstition du Nord ou celles qui se dressent dans les sommeils coupables des moines. L'effet fantasmagorique était grandement accru par l'introduction artificielle d'un fort courant d'air continu derrière la tenture, qui donnait au tout une hideuse et inquiétante animation. Telle était la demeure, telle était la chambre nuptiale où je passais avec la dame de Trémène les heures impies du premier mois de notre mariage. Et je les passais sans trop d'inquiétude. Quand ma femme redouta mon humeur farouche, qu'elle m'évita, qu'elle ne m'aima que très médiocrement, je ne pouvais pas me le dissimuler, mais cela me faisait presque plaisir. Je la haïssais d'une haine qui appartient moins à l'homme qu'au démon. Ma mémoire se retournait. Oh, avec quelle intensité de regret, vers Ligeia, l'aimée, l'auguste, la belle, la morte. Je faisais des orgies de souvenirs. Je me délectais dans ma pureté, dans sa sagesse, dans sa haute nature éthéréenne, dans son amour passionné, idolâtrique. Maintenant, mon esprit brûlait pleinement et largement d'une flamme plus ardente que n'avait été la sienne. Dans l'enthousiasme de mes rêves opiacés, car j'étais habituellement sous l'empire du poison, je criais son nom à haute voix durant le silence de la nuit et, le jour, dans les retraites ombreuses des vallées, comme si, par l'énergie sauvage, la passion solennelle, l'ardeur dévorante de ma passion pour la défunte, je pouvais la ressusciter dans les sentiers de cette vie qu'elle avait abandonnée. Pour toujours, était-ce vraiment possible? Au commencement du second mois de notre mariage, Lady Ravenna fut attaquée d'un mal soudain dont elle ne se relava que lentement. La fièvre qui la consumait rendait ses nuits pénibles et, dans l'inquiétude d'un demi-sommeil, elle parlait de sons et de mouvements qui se produisaient çà et là dans la chambre de la tour et que je ne pouvais vraiment attribuer qu'au dérangement de ses idées ou peut-être aux influences fantasmagoriques de la chambre. À la longue, elle entra en convalescence et finalement, elle se rétablit. Toutefois, il ne s'était écoulé qu'un laps de temps fort court quand une nouvelle attaque plus violente la rejeta sur son lit de douleur et, depuis cet accès, sa constitution, qui avait toujours été faible, ne put jamais se relever complètement. Sa maladie montra, dès cette époque, un caractère alarmant et des rechutes plus alarmantes encore qui défiaient toute la science et tous les efforts de ses médecins. À mesure qu'augmentait ce mal chronique qui, dès lors sans doute, s'était trop bien emparé de sa constitution pour en être arraché par des mains humaines,
je ne pouvais m'empêcher de remarquer une irritation nerveuse croissante dans son tempérament et dans une excitabilité telle que les causes les plus vulgaires lui étaient des sujets de peur. Elle parla encore, et plus souvent alors, avec plus d'opiniâtreté, des bruits, des légers bruits et des mouvements insolites dans les rideaux dont elle avait, disait-elle, déjà souffert. Une nuit, vers la fin de septembre, elle attira mon attention sur ce sujet désolant avec une énergie plus vive que de coutume. Elle venait justement de se réveiller d'un sommeil agité et j'avais épié, avec un sentiment moitié d'anxiété, moitié de vague terreur, le jeu de sa physionomie amaigrie. J'étais assis au chevet du lit d'ébène sur un des divans indiens. Elle se dressa à moitié et me parla à voix basse dans un chuchotement anxieux de sons qu'elle venait d'entendre, mais que je ne pouvais pas entendre, de mouvements qu'elle venait d'apercevoir mais que je ne pouvais apercevoir. Le vent courait activement derrière les tapisseries et je m'appliquais à lui démontrer ce que, je le confesse, ne pouvais pas croire entièrement, que ses soupirs à peine articulés et ses changements presque insensibles dans les figures du mur n'étaient que les effets naturels du courant d'air habituel. Mais une pâleur mortelle qui inonda sa face me prouva que mes efforts pour la rassurer seraient inutiles. Elle semblait s'évanouir et je n'avais pas de domestique à m'apporter. Je me souvins de l'endroit où avait été déposé un flacon de vin léger ordonné par les médecins, et je traversai vivement la chambre pour me le procurer. Mais, comme je passais sous la lumière de la lampe, deux circonstances d'une nature saisissante attirèrent mon attention. J'avais senti que quelque chose de palpable, quoique invisible, avait frôlé légèrement ma personne et je vis sur le tapis d'or, au centre même du riche rayonnement projeté par l'encensoir, une ombre faible, indéfinie, d'un aspect angélique, tel qu'on peut se figurer l'ombre d'une ombre. Mais, comme j'étais en proie à une dose exagérée d'opium, je ne fis que peu d'attention à ces choses et je n'en parlai point à Ravenna. Je trouvai le vin. Je traversai de nouveau la chambre et je remplis un verre que je portai aux lèvres de ma femme défaillante. Cependant, elle était un peu remise et elle prit le verre elle-même, pendant que je me laissais tomber sur l'ottomane, les yeux fixés sur sa personne. Ce fut alors que j'entendis distinctement un léger bruit de pas sur le tapis et près du lit, et, une seconde après, comme Ravenna allait porter le vin à ses lèvres, je vis, je puis l'avoir rêvé,
Je vis tomber dans le verre, comme de quelque source invisible suspendue dans l'atmosphère de la chambre, trois ou quatre grosses gouttes d'un fluide brillant et couleur de rubis. Si je le vis, Rowena ne le vit pas. Elle avala le vin sans hésitation, et je me gardais bien de lui parler d'une circonstance que je devais, après tout, regarder comme la suggestion d'une imagination surexcitée, et dont tout, les terreurs de ma femme, l'opium et l'heure, augmentaient l'activité morbide. Cependant, je ne puis pas me dissimuler qu'immédiatement après la chute des gouttes rouges, un rapide changement, en mal, s'opéra dans la maladie de ma femme, si bien que, la troisième nuit, les mains de ses serviteurs la préparaient pour la tombe, et que j'étais assis seul, son corps enveloppé dans le suaire, dans cette chambre fantastique qui avait reçu la jeune épouse. D'étranges visions engendrées par l'opium voltigeaient autour de moi comme des ombres. Je promenais un œil inquiet sur les sarcophages, dans les coins de la chambre, sur les figures mobiles de la tenture et sur les lueurs vermiculaires et changeantes de la lampe du plafond. Mes yeux tombèrent alors, comme je cherchais à me rappeler les circonstances d'une nuit précédente, sur le même point du cercle lumineux, là où j'avais vu les traces légères d'une ombre. Mais elle n'y était plus, et, respirant avec plus de liberté, je tournai mes regards vers la pâle et rigide figure allongée sur le lit. Alors, je sentis fondre sur moi mille souvenirs de Ligeia. Je sentis refluer vers mon cœur, avec la tumultueuse violence d'une marée, toute cette ineffable douleur que j'avais sentie quand je l'avais vue, elle aussi, dans son suaire. La nuit avançait, et toujours, le cœur plein des pensées les plus amères dont elle était l'objet, elle, mon unique, mon suprême amour. Je restais les yeux fixés sur le corps de Rowena. Il pouvait bien être minuit, peut-être plus tôt, peut-être plus tard, car je n'avais pas pris garde au temps, quand un sanglot, très bas, très léger, mais très distinct, me tira en sursaut de ma rêverie. Je sentis qu'il venait du lit d'ébène, du lit de mort. Je tendis l'oreille, dans une angoisse de terreur superstitieuse, mais le bruit ne se répéta pas. Je forçai mes yeux à découvrir un mouvement quelconque dans le corps, mais je n'en aperçus pas le moindre. Cependant, il était impossible que je me fusse trompé. J'avais entendu le bruit, faible à la vérité, et mon esprit était bien éveillé en moi. Je maintins résolument et opiniâtrement mon attention clouée au cadavre. Quelques minutes s'écoulèrent sans aucun incident qui pût jeter un peu de jour sur ce mystère. À la longue, il devint évident qu'une coloration légère, très faible,
à peine sensible, était montée aux joues et avait filtré le long des petites veines déprimées des paupières. Sous la pression d'une horreur et d'une terrible terreur inexplicable, pour lesquelles le langage de l'humanité n'a pas d'expression suffisamment énergique, je sentis les pulsations de mon cœur s'arrêter et mes membres se roidir sur place. Cependant, le sentiment du devoir me rendit finalement mon sang-froid. Je ne pouvais pas douter plus longtemps que nous n'eussions fait prématurément nos apprêts funèbres. Roventa vivait encore. Il était nécessaire de pratiquer immédiatement quelques tentatives. Mais la tour était tout à fait séparée de la partie de l'abbaye habitée par les domestiques. Il n'y en avait aucun à portée de la voix. Je n'avais aucun moyen de les appeler à mon aide, à moins de quitter la chambre pendant quelques minutes, et quant à cela, je ne pouvais m'y hasarder. Je m'efforçais donc de rappeler à moi seul et de fixer l'âme voltigeante. Mais au bout d'un laps de temps très court, il y eut une rechute évidente. La couleur disparut de la joue et de la paupière, laissant une pâleur plus que marmoréenne. Les lèvres se serrèrent doublement et se recroquevillèrent dans l'expression spectrale de la mort. Une froideur et une viscosité répulsive se répandirent rapidement sur toute la surface du corps, et la complète rigidité cadavérique survint immédiatement. Je retombai en frissonnant sur le lit de repos d'où j'avais été arraché soudainement, et je m'abandonnai de nouveau à mes rêves, à mes contemplations passionnées de Ligeia. Une heure s'écoula ainsi. Quand, était-ce grand Dieu possible, j'eus de nouveau la perception d'un bruit vague qui partait de la région du lit. J'écoutais au comble de l'horreur. Le son se fit entendre de nouveau. C'était un soupir. Je me précipitai vers le corps. Je vis distinctement un tremblement sur les lèvres. Une minute après, elle se relâchait, découvrant une ligne brillante de dents de nacre. La stupéfaction lutta alors dans mon esprit avec la profonde terreur qui jusque-là l'avait dominée. Je sentis que ma vue s'obscurcissait, que ma raison s'enfuyait, et ce ne fut que par un violent effort que je trouvai à la longue le courage de me roidir à la tâche que le devoir m'imposait de nouveau. Il y avait maintenant une carnation imparfaite sur le front, la joue et la gorge, une chaleur sensible pénétrait tout le corps, et même une légère pulsation remuait imperceptiblement la région du cœur. Ma femme vivait, et, avec un redoublement d'ardeur, je me mis en devoir de la ressusciter. Je frictionnais et je bassinais les tempes et les mains, et j'usais de tous les procédés que l'expérience et de nombreuses lectures médicales pouvaient me suggérer. Mais ce fut en vain. Soudainement, la couleur disparut, la pulsation cessa. L'expression de mort revint aux lèvres et,
un instant après, tout le corps reprenait sa froideur de glace, son teint livide, sa rigidité complète, son contour amorti, et toute la hideuse caractéristique de ce qui a habité la tombe pendant plusieurs jours. Et puis, je retombais dans mes rêves de Ligeia. Et de nouveau, s'étonnera-t-on que je frissonne en écrivant ces lignes? De nouveau, un sanglot étouffé vint à mon oreille de la région du lit d'ébène. Mais à quoi bon détailler minutieusement les ineffables horreurs de cette nuit? Raconterai-je combien de fois, coup sur coup, presque jusqu'au petit jour, se répéta ce hideux drame de ressuscitation, que chaque effrayante rechute se changeait en une mort plus rigide et plus irrémédiable, que chaque nouvelle agonie ressemblait à une lutte contre quelque invisible adversaire, et que chaque lutte était survie d'une je ne sais quelle étrange altération dans la physionomie du corps. Je me hâte d'en finir. La plus grande partie de la terrible nuit était passée, et celle qui était morte remua de nouveau, et cette fois-ci, plus énergiquement que jamais, quoique se réveillant d'une mort plus effrayante et plus irrépérable. J'avais depuis longtemps cessé tout effort et tout mouvement, et je restais cloué sur l'ottomane, désespérément englouti dans un tourbillon d'émotions violentes, dont la moins terrible peut-être, la moins dévorante, était un suprême effroi. Le corps, je le répète, remuait, et maintenant, plus activement qu'il n'avait fait jusque-là. Les couleurs de la vie montaient à la face avec une énergie singulière. Les membres se relâchaient et, sauf que les paupières restaient toujours lourdement fermées et que les bandeaux et les draperies funèbres communiquaient encore à la figure leur caractère sépulcral, j'aurais rêvé que Rowena avait entièrement secoué les chaînes de la mort. Mais si, dès lors, je n'acceptais pas entièrement cette idée. Je ne pus pas douter plus longtemps quand, se levant du lit et vacillant d'un pas faible, les yeux fermés, à la manière d'une personne égarée dans un rêve, l'être qui était enveloppé du suaire s'avança audacieusement et palpablement dans le milieu de la chambre. Je ne tremblais pas, je ne bougeais pas, car une foule de pensées inexprimables, causées par l'air, la stature, l'allure du fantôme, se ruèrent à l'improviste dans mon cerveau et me paralysèrent, me pétrifièrent. Je ne bougeais pas. Je contemplais l'apparition. C'était dans mes pensées un désordre fou, un tumulte inapaisable. Était-ce bien la vivante Ravenna que j'avais en face de moi? Cela pouvait-il être vraiment Ravenna? Lady Ravenna Trevanion de Tremaine, à la chevelure blonde, aux yeux bleus? Pourquoi? Oui, pourquoi en doutais-je? Le lourd bandeau oppressait la bouche. Pourquoi donc cela n'eût-il pas été la bouche respirante de la dame de Tremaine? Et les joues? Oui, c'était bien là les roses du midi de sa vie. Oui. Ce pouvaient être les belles joues de la vivante Lady de Tremaine.
et le menton, avec les fossettes de la santé, ne pouvait-il pas être le sien? Mais avait-elle donc grandi depuis sa maladie? Quel inexprimable délire s'empara de moi à cette idée! D'un bond, j'étais à ses pieds. Elle se retira à mon contact et elle dégagea sa tête de l'horrible suaire qui l'enveloppait et alors déborda dans l'atmosphère fouettée de la chambre une énorme masse de longs cheveux désordonnés. Ils étaient plus noirs que les ailes de minuit, l'heure au plumage de corbeau. Et alors, je vis la figure qui se tenait devant moi ouvrir lentement, lentement les yeux. « Enfin, les voilà donc !» criai-je d'une voix retentissante. « Pourrais-je jamais m'y tromper ? Voilà bien !» Les yeux adorablement fendus, les yeux noirs, les yeux étranges de mon amour perdu, de Lady, Lady Lydia. Ligeia, la nouvelle qu'Edgar Poe affectionnait tout particulièrement et que je viens de vous conter, a été publiée en 1838 et traduite par Charles Baudelaire en 1856 dans le recueil de nouvelles « Histoires extraordinaires » que je ne saurais que vous conseiller. Je vous avouerai tout de même que lors des narrations successives que je vous ai présentées jusqu'ici, cette nouvelle fait partie de celles qui m'ont le plus terrifié lors de leur lecture. Alors oui, je suis terrifié à la lecture de ces histoires noires et gothiques. Elles m'effraient et me hérissent le poil. J'en bafouille, ma diction et mes liaisons sont parfois mauvaises. Mais c'est tellement romantique. Bonsoir. Oups, attendez s'il vous plaît, je ne peux pas m'enfuir comme ça, sans avoir évoqué les artistes qui ont illustré ce programme. Outre les Bach, Chopin, Black Sabbath, cherchez l'erreur, et autres musiques de sociopathes, je voudrais adresser un immense remerciement à Nathalie Ita, pianiste et compositrice, dont les œuvres musicales sont... transcendantes. Et qui officie sous le pseudonyme de Compo Piano, et dont je vous laisse savourer tout de suite l'intégrale de son interprétation de Exit Music de Radiohead, que vous avez entendu en fond musical durant l'histoire.